trop le temps. On est pressé, oui. L'avion nous attend. Merci. Alors, on te les laisse, comme prévu. La semaine, c'est ça? Bah, c'est ça, ouais. Et bah, pas de problème. Ça te va? Impeccable. Merci. Ouais, super. Bon courage. Oui. Merci. Bonne semaine à vous. On se téléphone. Bah, pas de soucis. Allez, ciao. Allez, vous êtes là. Oh, salut. Réveille-toi. Pourquoi tu me réveilles? J'ai entendu du bruit. Viens, on va voir ce qu'il se passe. Vous savez ce qu'il y a d'incroyable? Hier, avec Ethan, on a entendu quelqu'un rentrer dans la maison en pleine nuit. Qui ça? On ne sait pas, on n'a vu que ce moment. Qu'est-ce qu'il se passe? Lali raconte n'importe quoi. Elle a rêvé que cette nuit, quelqu'un était entré dans la maison. Mais si, c'est vrai. Tu l'as vu? Non, mais on l'a entendu. Et on a vu son ombre. Ah bon? Mais c'est peut-être un voisin somnambule. Impossible. Tata Anne ferme toujours la porte à clé. Qu'est-ce qui est impossible? Lali et Ethan racontent avoir vu quelqu'un dans la maison cette nuit. Mais non, arrêtez, c'est des bêtises, ils racontent ça pour se rendre intéressant. Oui, j'en ai marre de cette histoire. Qui vient jouer avec moi au frisbee? Moi, j'arrive. Moi aussi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez à quoi il ressemble? Bah non, puisqu'on a vu que son ombre. En plus, il faisait tout noir. On fait un pacte. Si l'un d'entre nous l'entend cette nuit, il nous réveille et on va voir ensemble. D'accord. Marché conclu. Il est revenu? Oui, tu viens, on va réveiller les cousins. D'accord. Réveille-toi, Thomas, réveille-toi. Réveille-toi, Blanche, on a entendu les bruits. Gaspard, allez, vite, réveille-toi. Réveille-toi, Mia. Mais c'est Tante Anne! Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire là à cette heure-ci? Elle cache quelque chose là. Bon, demain, on reviendra. Bonne idée! Mais en attendant, il se fait tard. Faut mieux aller se coucher. C'est bon, elle n'est pas là. On peut allumer la lumière. Il faudrait fouiller ces placards. C'est fermé. Mais il y a un gamin. Zut! Regardez, j'ai trouvé une clé. Des objets d'art.
Regardez, il y a plein de bijoux. Soit, c'est une sacrée fortune. Il y en a pour plusieurs milliers d'euros de thunes. Même des millions, je dirais. Mais c'est le tableau qui a été volé récemment au Louvre, ça. Thomas, que fais-tu ici à cette heure ? Et toi, Tantan, que fais-tu ici à cette heure ? Et c'est quoi ça ? Oh, ça, juste, je faisais un petit peu de rangement, c'est tout, voilà. Allez, raconte-nous. On voit bien que tu nous caches quelque chose. Bon, j'avoue, je cambriole des objets d'art. C'est comme ça que je vis. C'est incroyable, ça, Tantan, tu veux bien nous apprendre ? Vous apprendre à voler ? Oui. Bah non, vous promettez d'en parler à personne. Oui. Oui. D'accord. Alors, écoutez-moi bien.